à tous, c'est l'heure de nouvelles tranches d'infos sur Focal TV et il y a comme de l'eau dans le gaz chez les Girondins de Bordeaux depuis le début de la saison. Les Marinés Blancs aujourd'hui 18e de Ligue 1 et donc en position de relégable. Du coup, les actionnaires ont décidé de réagir. Nicolas Tavernos, patron d'M6 et propriétaire des Girondins de Bordeaux, a apporté son soutien à Francis Gillot, l'entraîneur, mais surtout, il a annoncé du renfort pour le mois de janvier prochain. De Tavernos qui a ainsi annoncé que l'actionnaire donnera au club les moyens de recruter lors du mercato de janvier, malgré un déficit significatif de plus de 11 millions d'euros. Mais alors une question, hein, quels sont les joueurs qui voudront bien venir à Bordeaux? Ben oui, vu le bazar depuis bientôt 2 ans, rares seront les joueurs tentés par l'expérience bordelaise. Alors si mes souvenirs sont bons, en plus il n'y avait pas d'argent à mettre dans le recrutement cet été, maintenant on y songe. Mais n'est-il pas un petit peu trop tard finalement pour redresser la barre, même avec une dizaine de millions d'euros sur la table? Et oui, la petite chaîne qui monte, ne veut pas d'un club qui descend. A tout à l'heure pour un autre Borderline sur Focal TV.